Allez, zou! Moi, je repars sur du Far Cry 2. Bienvenue aux alivants. Merci, merci, petit Seb. Alors, attends, affiché bureau. Ouais, affiché bureau, je vois plus mon icône de Far Cry. Tellement que j'ai de trucs ouverts pour le direct. Pour la diffusion. Pour la diffusion. Et c'est un relais de chaîne. Merci. J'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Bienvenue. Bienvenue. Faut que je Bienvenue. change mon titre, que je revienne sur du Far Cry 2, moi. Parce que comme il doit réactualiser 14 milliards de sauvegarde et que ça dure face à ce moment-là, oui, bah je vais faire un set title assez simple. Merde, je sais plus, c'est set game et set. Je sais plus, tant pis, je vais revoir sur OBS, ce sera plus simple pour moi. Oh non, quand il fait la réactualisation, il me vole mon curseur de souris. Donc je peux plus rien faire. C'est nul! Ah bon, chez. Je suis condamné à attendre que le jeu me redonne la main. Là là. Pas, y a pas, y a pas. Bah alors. Oh, pardon, c'est mes trois plombes. Finalement, j'aurais dû laisser le plan de la webcam où j'aurais pu vous raconter une histoire, je sais pas quoi. Le temps que ça s'initialise. Ça y est. Wouh, je reprends la main, on y croit. Je vais remettre Far Cry 2 en attendant, en guise de titre. Eh oui, pas que la rubrique. Oups, mince. Voilà, là c'est davantage correct. Ouais, j'en étais à là. Ouais. Oui, merci. Aventure africaine! Après ces aventures folles intergalactiques avec Petit Seb. Merci à lui. C'est rigolo, on s'amuse comme des petits fous. Wow! Oh là, j'étais en plein. Ah oui, j'étais en pleine action, effectivement. Bah, il pleut aussi en Afrique, là, pour le coup. Il pleut partout dans les jeux vidéo. Alors, j'ai le lance-grenade, on va rigoler. Enfin, si je peux. Bah. Et je la rentre dedans. Oh! Je me fais avoir par le MDF. Ou alors je les avais eu. Lance-flamme. Et ben voilà! Il me prend pour moi ça! C'est merveilleux. C'est bon, c'est bon. Non, je suis pas blessé. Bon, bah c'est bien. Je suis au taquet. Trop, trop bien. Alors, la suite. Alors, Seppuku. Il y a sûrement des diamants à Seppuku, mais. Moi, mon intérêt, c'est de réquisitionner les. Ah, c'est mon véhicule qui est endommagé, merde. Attends. Oula. Et je descends, je sais plus comment, comme ça.
Oula! Ah bah non, j'ai renversé mon véhicule! C'est nul! Voilà, je préfère. Pff. Oui, voilà, je comprends que tu sois atterré, mon pauvre Jed. Tu vois une petite pitchinette et hop, je remets mon véhicule à l'endroit. C'est pas beau ça? Alors, il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Ils sont où les gens? Pas strictement où ils sont. Gros souci d'install de mine sur deux SSD chinois. Oh merde! Oh bah t'as pas de bol, mon pauvre la Jed. Si tu peux même plus installer ton Linux peinard. Attends, il y en a un qui me dégomme, mais il est sur le côté, je sais pas où. Ah, je me suis fait liquider. C'était le risque, hein. De l'intérêt d'identifier, de localiser ses ennemis avant de mener un assaut. S'il y allait à l'aveugle, forcément, t'es largement désavantagé. Bonjour Torota, comment que ça va? Ouais, moi ça va, tranquillou, merci. Toi, je savoure honteusement alors qu'il est 11h passé de la boyoche. Salopard, il est parvenu à m'écraser. C'est dommage que je puisse pas valider avec mon... Non, je peux pas. Ouais, bon appétit, petit gourmand. Bah oui, moi je suis mon vilain. Je picore ma brioche de ce matin, quoi, un petit déj tout doucement. On sait bien si tout va bien. C'est cool. Alors, j'ai envie de me la jouer un peu à la Rambo, là. Hop, j'esquive la roquette. Tu vas mourir. Ah oui, je suis mort. Non, je vais jouer Rambo, c'est pas bon. Non, je vais jouer du snipe. Je vais jouer du snipe pour dégommer Monsieur Lance-Roquette. Et ce sera pas plus mal. Alors attends. Je vais me mettre vraiment tout en haut du véhicule. Voilà, nickel. Ah, c'est lui. J'ai vu le mec qui m'allumait. C'est horrible, l'Afrique. Le cochon, il m'allumait à distance. Moi, j'ai gagné. Alors, si cette première tentative là, ça échoue, je prends mon SanDisk. Bah ouais, tu m'étonnes. Perquisition.
couche. Oh, le beau son. Oh, petit buggy. Mais je vais garder mon véhicule lance-roquette, je l'aime trop. Il n'y a pas de diamant dans le coin? Je suis sûr qu'il y a un truc à Seppoko. Le petit patelin de Seppoko, ma main a coupé qu'il y a du diamant dedans, mais aussi du peuple. Seppoko, Seppoko. Allons-y. Ouais, il faudrait que je contourne la formation rocheuse. Mais c'est tellement rocailleux que... Ouais, j'aurais pas dû sortir des sentiers... J'adore renverser mon véhicule, moi, aujourd'hui. Dos droit, oui, t'as pas tort. C'est vrai que je suis mal installé, je te l'accorde. Merci, Twinsen. Aïe. Excusez-moi, j'ai une démangeaison à la jambe. Alors, le patelin est par là-haut. Je vois sur la carte. Oula, il y a un buffle. Ma main a coupé qu'il y a du diamant là-dedans. Qu'est-ce que c'est cet endroit ? On n'en a pas plus. Hop, c'est fait. C'est piqué. Oh, la vache. Il y en a un qui m'a eu, mais voilà. Alors, passons de l'autre côté. Ah, ils sont bien barricadés. Attends, il est où le mec? Je suis sûr qu'il y a du diamant. Ah, je t'ai vu! Y'a rien d'autre? Y'a pas un autre plastic? Je les ai tous eus. Non. Non, 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 il y en a un qui m'allume là. Je sais pas où il est, mais... Ah, il y a un diable. Ah, ils sont plusieurs. Et ils m'ont eu. Ils sont plusieurs et ils m'ont eu. Alors, le jeu... Non, je vais rapprocher mon clavier parce que moi, j'aurais pas à tendre bêtement le bras en avant. Bah oui, leur spam, c'est très gros. C'est dommage qu'il y ait la pluie parce que ça casserait mes tentatives de mettre le feu. Ce sera plus drôle si je peux. Ah non, ils se sont bien barricadés, j'avoue. Wow. Sympa.
incroyable. Je tire à bout portant avec un fusil de snipe. Tout va bien. La vache. Personne ? Ah, personne. Wow ! Wow, wow, wow ! C'est quoi ces bureaux ? Aïe ! L'autre, il me tire à travers les murs. Salopard. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Merde, mec. Ah, tu as donc retrouvé des écouteurs, ouais. Ouais, ouais, j'ai des nouveaux écouteurs, exactement. Exactement, une scène, tu es un parfait observateur, je te reconnais bien là. Il est passé par là. Merde, on devrait se disperser et le chercher. Il est là. Je le vois. Oui. Ouais, non, mais avec la plus ça. Et j'ai pas de porte de l'autre côté. Non, je peux pas. On a besoin d'aide là, envoie une fusée. Non, ouais, non. Mon assaut est trop ramboesque pour réussir. Faut vraiment, avec minutie, il faudrait que je les snipe. Est-ce que je prends le risque d'aller sur le toit? Il est passé par là. Merde, on devrait se disperser et le chercher. Il est en train. Oh, c'est horrible. On voit le mec cramé. Viens là. Violence et violence. Oh, il m'a eu. Il m'a eu, poil au U. Alors que... plus confortable. Le... bah... c'est pas la même qualité, c'est des écouteurs de d'entrée de gamme là que j'ai, donc la restitution du son est pas la même. Avec les autres, j'entendais plus finement les sons. J'avais plus de profondeur et ça, voilà. Bon là, ils se tiennent bien dans mes cages à miel, donc je vais pas me plaindre, mais... et il repassera par là. Bon, je sais pas ce qu'ils font, Mickey. Bah, ils sont tous allés là. Ouais, ouais. Putain, mais c'est un truc d'entraînement. Ah, j'entends une mallette de diamant. Dans ce bordel. Ah, il y en a un qui est là au-dessus. Je suis là. Coucou. Ils attaquent. Je peux se garder. Putain, c'est dédale. Ah, il y en a un là-bas. Caché ou pas caché, j'arrive. Ah ouais, les, ils sont malins, ils sont mis aux mitrailleuses. Où est parti? Bah, c'est la merde ça? Non, c'est de la. Ah, je te vois. Non mais il est débile. Ah,
débile au possible, mec. Putain, le gars, il a tiré sur les réserves de... Non, mais... C'est bien, il a foutu le feu, cet abruti. Mec, il en a sauté de joie. Allez, j'y vais. J'ai plus de voix. Moi, oh, j'ai un chat dans la gorge. Où il est parti? Il est quelque part. Vite, il est passé par là. Et il repassera par là. Allons-y. Oh, ce serait tellement marrant de prendre cette arme pour les allumer. Tellement tentant. Je vais la faire, forcément. Où est parti? Il est quelque part. Vite, il est passé par là. Saloperie, on nous touche. Encore d'autres ou je les ai eu les niveaux? Non, il y en a. Non, bah je crois que j'ai gagné. Je pense que j'ai gagné. Oh la vache, ça met nous ça? Ça met moins, moins, moins. Bizarre, à croire qu'on pourrait se barrer par cette route, dis donc. C'est vraiment étrange. Je pourrais toujours essayer, mais à mon avis, il va sûrement me dire j'ai pas envie d'y aller ou il va me faire mourir comme un caca de déshydratation. Mais ça vaudra le coup d'essayer. Oh le bordel. L'autre cadavre, je sais pas voir. Ah non, mais il y a des trucs à fouiller par ici. Il y a des trucs à fouiller. Oh la vache, le matos. Waouh, cette carte des environs. Africa, you bel Africa. Le chaud des yeux bleus du Kanganyika. Bon bah test pour test. Hein. Je vais passer la frontière, on peut le dire. Parce que la carte dit que je sors du. Je pense qu'il va me dire que je vais mourir de déshydratation. Je serais surpris de déverrouiller une zone auquel j'ai pas été invité à me déplacer. Voilà, même l'électricité s'arrête là. Pourquoi on sait pas. Là il y a des petits cailloux pour guider. Ne dites pas qu'il y a une mallette planquée quand même. Oh là, je suis en train de faire bugger la carte. Ouh là là. Et là, je découvre une soucoupe volante. Les extraterrestres de Roswell sont revenus.
Quand t'es dans le désert, depuis trop longtemps. Oui, c'est ça, je vais tomber dans les vapes, je vais m'évanouir. Ouais, y'a plus rien. Ils ont quand même pris soin de modéliser jusque-là. Voilà, et là je meurs. Parce qu'en fait, j'ai atteint une limite extrême inacceptable pour le jeu. Mais je voulais absolument tester. Mais je m'attendais effectivement à ça. Ah bah tiens, elle est bonne, je me réveille, mais je sais pas où. Ah, il m'a remis au niveau du poteau. C'est rigolo. C'est encore le chacal qui nous a transporté. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez, on va chercher des diamants, parce que dans cette installation, il y a des diamants. Ah, ouais, non, mais c'est un poste frontière, mais peut-être carrément de, vous savez, la frontière du pays, quoi. Ça déconne zéro. Ça déconne zéro. Ah. Oh non, les mecs sont revenus. Oh non, mais c'est nul. N'importe quoi. Il m'a réinitialisé les gugus. Bon, les diamants. Où sont les diamants? Les diamants sont-ils sur le toit? Africa Telecom. Ah, les diamants sont là. Non, je peux honteusement. Non. Ah oui, il a le bras long. Pour récupérer les diamants, trop bien. Alors, le gars que j'avais rôti, non, il a rien à me donner. Bah alors. Aïe. Mon super véhicule avec le lance-grenade. Bon, il peut pas y avoir deux mallettes au diamant au même endroit, on est d'accord. Nous sommes d'accord. Donc je vais me barrer et je vais faire la suite de l'aventure. Quand j'ai pris une direction, je sais même pas laquelle. Je vais où là? Ah bah c'est bien. Je prends la bonne direction. Ah magnifique, il y a un poste de garde où il faut tout défoncer. Ah merde, il m'a niqué mon. Alors, comment qu'il m'a saucé? Ouais, vu les gémissements, je les ai eus. Oh, il y a un bug. Je sais pas si vous le voyez en haute définition. En haute résolution, j'ai un buisson qui fait cadran d'horloge dans le ciel. C'est n'importe. Qui c'est qui me tire dessus? Bah. Qui c'est qui m'a allumé, là? J'ai pas compris. Oh, il y a un animal qui s'est fait dégommer. C'était quoi? C'était un minou. Oh
on en prend plus. Je sais pas si j'avais un snipe dans les montagnes, mais avec ça il y en aura plus. Non mais, et la portée, elle est monstrueuse de ce lance-grenade. Là, je fais des arrières à la Rambo. Bon, faut que j'arrête mes âneries, mais c'est plaisant. Ah. Non mais c'est la frontière du pays, c'est pas possible d'avoir autant de... C'est pas possible vraiment. Par rapport à la carte, ils sont... Oui, ils sont là. Voilà. Magnifique, j'ai fait un strike. Magnifique, ils m'ont dégommé. Waouh, cette scène d'action. C'est la folie. Faut que je les source parce qu'ils me font bobo. Oh, j'ai tiré la caisse de munitions, moi. Donnent pas cher de leur peau. Là. On va aller voir sur place. Ah, il y a encore du monde. Alors, merde. Il fallait descendre de l'autre côté du véhicule. À l'autre, je me suis présenté à mon adversaire. Là, ça va pas. Ah, quelle ville abrutie je fais. C'est pas grave, c'est reparti pour les explosions. Allez, c'est cadeau. Oh. Alors là, ils m'ont bien allumé, les salopios. Les salopios in the morning. Mais, ils m'avaient pas comme ça avant. Ah, vous savez, à chaque rechargement, il y a l'intelligence artificielle qui arrive à se confiner et qui apprend ses erreurs. Oh là là! Mais j'aimerais bien le dégommer aux grenades. Lance-grenade. Pas au snipe. Et je peux le faire, je le sais. Oh, les explosions sont magnifiques. Là, je crois que je les ai bien dégommés. Oh la vache, les explosions, quoi. Non mais là, faut l'avouer, là, j'ai gagné, là. J'ai obligatoirement gagné. Ah non. Non, mais j'hallucine. D'où il me tire, le mec? D'où? Il est où, le gars? Des munitions infinies. Incroyable. Je sais pas où il est. Je l'ai pas localisé, je l'ai pas eu à vue. Bon, bah, je vais devoir faire le snipe. Je m'avoue vaincu. Avec la méthode habituelle. Ah, c'est lui. Voilà pourquoi j'arrivais pas à l'avoir. Ouais.
tout s'explique. Ah, le mec est pas mort. Je l'ai mal. Il est où? Oh, il est là. Bon, je pense pas que j'ai grand chose à récolter hein, après le dégommage que je vais me faire en règle. Oui, tout n'est que cendre. C'est abominable. Ah, quand même. Quand même. Une boîte de munitions. Sympa. Alors, c'est horrible à dire, mais les prochains sur la liste sont... Alors attends, j'ai pas revendiqué ici, mince. La boîte de munitions qui a cramé, elle était où? Ah, c'était ça. C'était ça. Hop là, là je peux sauvegarder. Pop, demi-tour, parce que ça c'est une route qui s'isole par rapport au relief et il y a plein d'endroits que j'ai pas revendiqué encore. Ah, viens moi, c'est bidon, c'est cool. Il y a pas mal de d'endroits cadenassés encore. On se croirait dans Terminator. C'est Carlin de Calciné. Ça fait peur. Oh! Diamant! Alors faut-il encore les voir? Ah, la molette est tout simplement sur la route. 12 ans de mort. Oh, 3 diamants. C'est plaisir. Oh ouais, la baraque est toute proche. Mais oui, il y a quelque chose par là. Il y a moi. Oh merde. Merde. Ah, je me suis fait avoir avec le décor en face de moi. Comment qu'il essaie de me cueillir? Allez, attrape. Oh l'autre! Oh, j'ai mal lancé ma grenade. Je pensais que j'allais la déposer à ses pieds, mais même pas. Oui, bon app pour ceux qui passent à table. Ouais, on va vers les midi, t'as raison, t'auras ta bon app. Je sais même pas ce que je vais manger, moi. J'ai pas du tout réfléchi à ce que j'allais manger. Oh. Alors, son copain, il est où ?
Ah bah il est là-bas. Et voilà, une planque pour moi. C'est bien, une nouvelle petite planque. Il faut que je les collectionne pour être tout confort dans le jeu. Salopard. Je me suis fait avoir comme un bleu. Il m'a accueilli comme une fleur. C'est ça qui est terrible. Voilà. Adieu, sergent. Bon, de toute façon, je vais me repiquer parce que comme il y a la grosse boîte à pharmacie dans la planque, je vais me servir. Ah non, c'est... il y a la petite, tant pis. Bon, c'est pas grave. C'est pas perdu. Allez hop. Je sais plus. Non, c'est à eux. La mienne, elle est là. Mais oui, c'est lui qui fait lance-grenade. C'est le gros machin là. Que ferais-je sans cette grosse boîte? Alors, la suite. J'ai encore 3 lieux à déverrouiller ici. Je vais faire que ça. Stratégiquement, j'ai tout intérêt à faire ça. Attends, c'est dans quel sens? Ah oui, j'ai pas pris dans le bon sens. Il y a un poste de garde et il y a deux camps de... des recours. Non. Oh, je me prends dans mes touches, mais non. Ah, ils sont en contre là. T'as déjà chevauché un zèbre? Quoi? T'as fait un truc? Bah oui, tu m'étonnes que t'avais un truc. Cadeau! Laissez-moi vous allumer. Alors qu'il se passe plein de trucs dans le chat là. Ah oui, non, bonjour. Attends. Merde! Non, mon véhicule! Non, j'ai perdu mon véhicule! Oh merde, il m'allume encore avec un autre suppositoire. Oh la vache! Je t'aurai, salopard! Tu es là-bas? Oh. Il m'a eu. Non, vous savez quoi, j'avais la prétention de tirer une balle sur la roquette pour qu'elle explose en vol. Je sais pas si c'est programmé. Faudrait que j'essaye de liquider la roquette en plein vol. Ce serait trop classe. Ce serait trop classe. Attends, du coup, je vais mettre le véhicule là. Pas folle la guêpe, comme on dit. Laissez-moi vous allumer, laissez-moi. Ah, il a plus le temps de tirer. Lui. Ah si, merde! Je l'ai blessé seulement. Oh la vache, il m'a botté le cul, salopard. Oh oui! Magnifique! J'ai tiré sur la roquette. Et le souffle l'a projeté. Ou alors c'est le restant de ma balle dans la roquette. Qu'il l'a atteinte. Nicky Larson, là, ce que je viens de faire. Magnifique. Ah oui, je valide complètement. Merde, je me fais allumer encore. Attends, je peux sauvegarder parce que je suis fier de moi.
c'est qui m'allume? Ah, c'est lui. Oh, je suis trop fier. C'était magnifique. Oh. C'est rigolo. Bah. Ah, c'est ce que j'aime dans les Far Cry. C'est chien qui est bon. Il faut moins les malins. Il faut moins les malins. Ah non, pas besoin. Ah, il y a une petite voiture. Bah, j'ai besoin de rien d'autre. Eh, hey, est-ce que je peux vous faire ma démonstration? Oh, j'ai pas assez de lumière. C'est la bonne bouteille, mais il n'y a pas assez de lumière. Celle-là peut-être. Non, mais. Ah, si. Oh merdoum. Est-ce que vous allez réussir à le percevoir? Il fait pas assez jour, mince. Parce que quand on ouvre grand les yeux sur certaines bouteilles, vous avez des farces. Vous avez des farces. Mais là, il y a. Pourtant, je suis quasiment au zénith au niveau du. Faudra que je trouve une bouteille, un contenant équivalent dans un intérieur. Bon, le Gaulers Rocket. Ouais. Comment que je l'ai eu avec le souffle de l'explosion. Ah, la rigolade. Y a pas de diamant. Non, il se passait rien. Je vais reprendre mon super véhicule avec le lance-grenade. Obligé de semer le boxon avec ça. Je sème le chaos et la destruction. Youhou! J'ai le véhicule parfait. Ah. Allez-y. Alors, les petits cons de ponçage, ils sont où? Ils sont vers là-bas. Alors attention, le relief est très escarpé. Je crois qu'ils sont en amont, les salopes. Ouais, je vais y aller à pied. Encore que... Est-ce que je peux les saucer de là? Grande interrogation. Ça, pour alerter du monde, je vais alerter du monde. Avec un tel foutoir. Non, je pense pas que je les ai eu. Quel délire, là, je l'avais dans le panneau. Comment je me suis mangé le panneau de signalisation? Ils sont encore en vie. Bah alors. Putain, j'ai tiré plein d'explosifs et leur véhicule est intact. Conclusion, j'ai tiré comme un pied. J'ai fait n'importe. Attends, c'est quoi là-haut? Ah, c'est un buisson en lévitation. Tout va bien. Eh oui. Et voilà, une balle dans la tête, on n'en parle plus.
C'est atroce, c'est immonde, mais c'est toujours efficace. Ils avaient carrément un panneau à brûler là. C'était quoi cette petite hutte? Oh, y avait-il un prisonnier? Étrange. Bizarre. 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 In the morning. Alors attends, l'autre elle est... Ah, de l'autre côté de la montagne. De l'autre côté de la montagne, il faut que je prenne la bagnole, sinon je vais me taper 2 kilomètres à pied. Ça le ferait si j'étais avec Nayone. Ohé, ohé. Toujours pas de diamant. Oh, le joli baobab. Ah, diamant. Mort. Cette carcasse. On tient le diamant d'innocence. Non, pas de véhicule. Attends, mais qu'est-ce que c'est que ce carnage? Hier, j'ai vu un gosse au bord de la route. Il avait peut-être un 17-18 ans. Il portait un fusil à pompe à l'épaule et il y avait un soldat de la PR mort dans la tranchée à côté de lui. Une paire de bastos de calibre 12 lui avait littéralement arraché le buffet. Le gosse tirait sur la jambe du type pour lui piquer ses bottes. Il avait l'air crevé, il avait l'air abîmé, épuisé. Vieux, un gosse de cet âge-là devrait pas avoir une tête pareille. Eh ouais, les horreurs de la guerre. Alors attends, l'autre poste, il est sur l'autre front de montagne. Vraiment escarpé balèze ici, l'Afrique. Les paysages sont superbes, mais alors... Je vais me faire discret. Encore que je suis encore loin du... C'est là que ça se passe. Il y a un truc au-dessus. La question est comment on fait pour escalader le... Il n'y a pas un petit chemin de randonnée balisé par hasard? Que signifie cette entourloupe? C'est pas comme si nous étions dans un Far Cry. Il y a de l'escalade. Oh, ça c'est le chemin vers le... Ah non. Quoi? C'est du crash. Attends, il y a trop de trucs à voir par ici, ça m'intrigue. Pourquoi il y a un chemin? Un petit chemin qui chantait bon la noisette. Au moins, on a les couleurs ocre et couleurs noisette dans le secteur. Oh! Un animal. Qu'est-ce que... Ah ouais, pour un crash, c'est un crash. C'était un Tupolev. Vache, c'était pas le petit avion, celui-là. Oh, mais c'était un avion de chasse, quasiment. Voilà les turbines. Le truc il s'est fait défoncer il y a 20 ans. Ouais. Ah, t'as réussi ton opération là, Jed? T'as enfin installé ton petit Linux sur ton SSD? C'était l'install OEM qui foutait le bordel. Ah bah oui, mais OEM, ouais, c'est...
Alors pour ceux qui connaissent pas, quand on dit qu'une installation d'un système en informatique est OEM, c'est une licence qui est rattachée au matériel. En général, vous la payez moins cher de facto qu'une licence normale qui est indépendante. Mais en fait, quand vous perdez votre matériel ou trois composants majeurs, que sont par exemple la mémoire, le microprocesseur ou un disque, la licence n'est plus valable. Et en fait, vous vous retrouvez comme un ego à devoir acheter un autre système d'exploitation quand c'est pas littéralement un nouvel ordi. J'ai jamais fait confiance, moi, aux licences OEM. J'aime pas le principe. Je me dis que toutes les licences devraient être indépendantes et chaque utilisateur sera en droit de le réinstaller sur son nouvel ordi qu'il le souhaite année après année. Enfin bon, ça ne tient qu'à moi, je ne suis pas un commercial. C'est beau. J'aurais pas à dire, mais ce paysage est magnifique. Oh, y a quoi là-bas? C'est pas une... Mais si, c'est une armurerie. Le problème, c'est que j'ai abandonné mon véhicule depuis un petit bout de temps là-bas. Comment on fait pour y aller, là? Non, mais il y a un chemin. Bon, il y a trop de trucs à faire, là. Je deviens fou. Je vais me péter une cheville, vous allez voir. Oups. Je m'en sors bien. Bon, il y a trop de trucs à faire. C'est merveilleux. Mais il est là, le chemin de randonnée. Ça grimpe lentement, mais ça grimpe sûrement. Non. Le jeu se moque de moi. Ah, 2 heures de mise à jour de Might. Ah bah, il faut ce qu'il faut. Moi, il n'y a pas longtemps, alors sachant que moi, j'utilise pour bosser Linux... OpenSUSE, pardon. OpenSUSE. Et il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai cru que j'allais jamais me coucher. Il a mis 3 quarts d'heure pour se mettre à jour. Il m'avait trouvé un cumul de 1,5 giga de paquets à mettre à jour. Ça a été fastidieux. Ça s'est bien passé. Il fallait prendre le temps que ça s'installe. Redubiou. Bon, il est où ce chemin de mes deux? Oh, le jeu qui est en train de me gruger. Nope. Non, là, il y a un mur invisible. Non, c'est pas par là, quand même, si. Oh, vous abusez, les concepteurs de la carte, vous abusez, je vous le dis, moi. Je vous le dis. Ah si, ça passe. Non, mais là, c'est trop, faut arrêter. Même mon perso, il est au bord de l'épuisement, là. Il voit trouble. Ou alors, faut que je fasse exploser le truc pour dégommer le... Non. Ouch. Ouch. Non. Parce que le diamant est tout proche. Mais oui, mais le diamant, il est là-haut. On voit qu'il y a un truc. La question est, c'est comment on fait pour l'atteindre, bordel. Ça y est, j'ai généré un feu de boost, c'est foutu. Mon véhicule est là, il faut pas que j'oublie. On va y arriver dans cette exploration. De mine. Putain, mais comment qu'il me gruge le jeu? Il est où l'accès? Il est où? Oh là 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 là! Faut dire que ton PC n'aide pas. Bah oui. Eh ben bon resto, cousin. T'as bien raison de te faire plaisir. Moi, sans déconner, je sais pas ce que je vais me mettre sous la dent. Mince, je suis en train de me faire bobo là.
Il y a forcément un chemin. Le jeu est en train de me guaquer. C'est quand même vicieux hein, de la part des concepteurs de la carte. Hein. Vous le noterez avec moi. Non, mais c'est pas possible. Pourtant, on avait une bouteille d'eau posée là-bas. Ça veut bien dire qu'on peut s'y rendre. Mais comment ? Oui, tout le monde te souhaite bon appétit, cousin. Non. Ah. J'effleure quelque chose. Ah. On y croit. Attends. J'attends que mon perso soit pas en vertige, là, qu'il reprenne son énergie. Son endurance, comme on dit. Stamina en anglais. Attends, mais c'est pas vrai. Mais non, mais les bugs de collision, c'est pas jouable. Oh là 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 là, ça devient impénible. Comment je l'atteins, votre truc à la noix, là? C'est pas clair. Ça y est, mon perso a nouveau un vertige. Si je vais là, je vais me casser la binette. Encore que... Ah non, c'est au-dessus, mon truc, non? Là, j'ai l'impression d'aller nulle part, là. Ah, il n'y a pas encore de delta plane. Hein. Bon, bah, je suis tombé, merde. Arrrr. Oh, rage, oh, désespoir. Ou alors, elle est au pied, je l'ai pas vu. Attendez. C'est trop bizarre, il y a une entourloupe quelque part. Il y a une entourloupe quelque part. Non mais elle est bien au-dessus, mais comment je fais pour l'atteindre? C'est pas possible. Attends, range ton truc parce que... Ça fait ridicule. Bon, pardon pour cette scène non passionnante, mais nécessaire. Ouais, non, il lève le bras, ça veut dire qu'il se considère en chute libre. Là, je comprends pas. Là, je comprends pas les concepteurs. Ah. J'arrive à faire quelque... Mais c'est pas faisable là. Là il faut que j'ai un équipement de spéléo et que je me mette en V au niveau des jambes comme Jean-Claude Van Damme au niveau de ses camions Volvo là pour la pub. C'est pas... D'ailleurs il triche, hein. Il a avoué qu'il a fait une opération pour se faire sectionner deux ligaments. Exprès pour être plus souple. Le truc à pas faire, il s'est mutilé pour... Quand même triste d'en arriver là pour faire son beurre. Je comprends pas. Bon, allez, je vais pas m'acharner parce que c'est d'un ennui mortel. Je suis déception. Et mon véhicule, du coup, je l'ai mis là. Ah, tout ça pour ça, mais quelle tristesse. Je regrette déjà mon choix. D'ailleurs, à lire le relief sur la carte de GPS, il faut vraiment que j'assure la route. Voilà, les autres toastis qui sont là-haut. Je vais aller leur dire bonjour.
Ah, lance-roquette, le monsieur. Ils m'ont même pas vu, ces abrutis. Tiens, attrape. Merde. Oh ! Mais non, mais non, mais... On peut pas dire que les grenades, hein, vaut mieux les balancer sur des tonneaux d'explosifs ou des véhicules, parce que les mecs, ça leur fait rien. Aïe, 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 aïe. Allez, je tire en plein dans la tronche. Ah, tous les deux ont cuit. La rigolade. Hop. Alors, cette planque. Bon bah c'est bien. Alors, est-ce qu'il me reste quelque chose sur la carte? Là, je suis plus sûr. Je suis plus sûr parce que j'ai fait le ménage. Ce serait bien que je retourne à l'armurerie. Que je sois certain d'avoir un max de matos. Puis on va inaugurer une autre zone où je vais réquisitionner un à un les postes de garde, etc. On va gêner. Alors, l'armurerie, la voici. La voici, la voilà. Donc je passe tout en rue. Nickel, j'ai tout. C'est très bien. Attends, mais j'ai combien de diamants? Je sais même plus où j'en suis, moi. J'ai de la thunasse ou pas? Attends. Oui, bah je peux hop me piquer et prendre le hop. La pharmacie. L'ordinateur du marché des armes. Bonne app la Jed. Ouais, bonne tuerie. Aïe aïe aïe. Ah oui, j'ai 31 diamants. Ah, je me savais pas aussi riche, dis donc. Je ne me savais pas aussi riche. Alors attends, l'équipement annexe est magnifique. Et j'ai accès à rien. Merde, parce que je suis pas assez avancé dans le jeu. Oh non. Les sangles d'assaut, bandoulière de sniper, les sacs à fusée, je veux tout. Je veux tout ça. Au niveau des armes. Ouais. Ouf. Quand j'aurai accès au mortier, je vous dis pas la rigolade. Le mortier, ça va être n'importe. Non, bah, au moins que j'ai une amélioration à acheter dans les manuels, mais ouais, ouf. Ah ouais! Amélioration de réparation, véhicule d'assaut, le Jeep, gros camion, voiture. Ah, il y a deux types de Jeep. Il y a la Liberty et la Wrangler. L'hydroglisseur, oui, bien sûr. Le buggy. Ah. Oh la vache. Alors, le fusil hypodermique peut être très drôle, mais quand j'aurai la sangle avec ce qu'il faut. Parce que trois petits tirs de fléchette, ça va trop vite. Mais quand il y en a cinq ou plus, là, ça devient drôle.
Ça devient drôle. Alors, j'aurais pas mon super véhicule, je tricherais et je prendrais le bus. Mais comme j'ai mon super véhicule lance-grenade, je me refuse de l'abandonner. Ouais, on va reprendre le chemin Space que j'avais pris là, sous le lit tout à l'heure. Je m'enfuis, je sais pas où, mais je m'enfuis. Merde, j'avais oublié qu'il était revenu. Il y a lui qui va me bouffer, mais. Ouais, non. C'est vrai qu'il faut pas que j'ignore que des ennemis peuvent réapparaître, même dans des zones entre guillemets revendiquées. Quand je dis entre guillemets, parce que c'est surtout les bâtiments. Je passe gaffe parce que l'autre avec son lance suppositoire il peut me soustraire mon véhicule. Il peut me soustraire mon véhicule. Voilà, je pense que j'ai sauvegardé au bon endroit. Alors, les vilains. Ah, magnifique. Non, il faut que je le fasse proprement, comme d'hab, monter sur le véhicule et faire mon snipe. Sans quoi, je suis dominé, je suis obligé de l'admettre. C'est horrible, mais il me domine. Alors... Hop. Allez, je prends le risque de sauvegarder ici. Le mec, il est là-bas, je crois. Voilà, je l'ai eu. Donc déjà, j'aurais pas de lance suppositoire. Alors, je recharge mon snipe et je me fais une joie de tirer une fusée là-dedans. Vu que c'est bien sec, ça va bien flamber. Hop là. Voilà, joli feu de brousse, ça fera le ménage. Il n'y a plus qu'à attendre que ça cuise. C'est abject. J'adore Far Cry. Quoi? On m'a tiré dessus. Qui? Il s'offre le luxe de pouvoir riposter. Qui a osé? Qui? Qui se dénonce? Qui se dénonce dans ma lunette? Merde, je le vois plus. Je l'ai perdu poil au U. Oh, c'est génial cette ambiance. Ah, c'est lui. Mais... Attends, je tire comme un clown, moi. J'ai même plus tiré. Oh, il se relève. La vache, le salopard. Tu vas voir si tu te relèves. Tu vas voir. Oh. 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 Comment j'ai failli me faire décapiter par un capot. Oh, destruction totale. Chamec shit. Y'a plus rien, y'a plus rien.
Alors, oui, que ça plombe pas. Y a pas de diamant? Oh. Oula, y a un bidon d'essence en lévitation. Je veux bien des munitions là parce que j'ai fait le foufou. Et j'ai plus de munitions. Y a rien dans la caisse bas qui est en train de flamber. Ah si. Si si si. Mais attends, comment on y entre? Ah mais ils sont barricadés à mort les loustiques. Ah c'est par là-bas, ok. Oh. Un bidon d'essence qui a pété là. C'est par ici que ça se passe. C'est par ici que ça se passe. Ce bordel. Le bordel au point de contrôle. Ouais, alors là je vais pouvoir chantonner, j'étais sur la route toute la sainte journée. J'étais sur la route toute la sainte journée. Par contre de ton papouachi, monsieur. Ah, l'Afrique est magnifique. C'est d'une beauté. Ils ont réussi à faire simple et classe en même temps, je trouve. C'est mon point de vue, hein, je vous le partage. Oula, c'est le pur pur désert là-bas. Ne me dis pas qu'il y a encore du monde là-haut. Si. Si, si, il y a encore du monde. C'était tellement tentant. C'était tellement tentant. Du coup, je sais plus où était mon précédent point de sauvegarde. Ah oui, c'était sur la route. Toute la chaîne, je l'ai. Commence. Alors, en étant là, il n'y a vraiment pas de diamant, il n'y a rien. Je crois que j'ai plus qu'à attendre. Merde. Ah ! Par derrière les salopards. Je me souvenais plus qu'il y avait une patrouille mobile. Alors celle-là, vous voyez, je m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas. Oh. Je crois qu'ils étaient un peu trop pressés. C'est magnifique. Non, les flammes vont venir lécher mon véhicule. Vu la direction du vent, faut que je me barre. Je pense pas qu'il y ait de survivants aussi. Oh la vache. Ah, ils ont plus rien. Ils n'ont plus rien après mon passage.
je fais des lavages. Eh si, le malin, il était planqué derrière l'arbre. Ah, le brigand. Il m'a eu. Quick. Si je l'ai eu, mais il était quelque part par là-bas. Non, non, je l'ai pas eu. Oh la vache! Snipe! Sniper! Yakocha de vrai. Oh là, je sais plus parler français. C'est horrible. Sniper! Sauf que je vois que Puik. Ah, le v'là. Je l'ai eu. Ah bah là, il est flambé, là, il est cuit, mais là. Terminé pour lui. Allez, encore à travers les flammes. Ah, tu peux pas marcher. Ça ralentit un peu, pas plus. Bon, ça c'est fait. Oh, diamant. J'ai une alarme au diamant. Serait-ce par ici? Non. Serait-ce à l'opposé ou au-dessus? Non, pas. Ouais, j'insiste, mais. Bah, je vois plus les diamants. Ah, ce serait par là. Oula. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y a un zèbre là-haut. Il y aurait une mallette au diamant là-dedans. Heureusement qu'il n'y a pas de crocodile, hein. Vous du Dieu. Non, c'est pas là. Ça, c'est une souche d'arbre mort. Étrange. Fouillons bien l'endroit. Où est-ce? Où que c'est? Où que c'est? Où que c'est? Ah bah voilà. Ah non, c'est des munitions, c'est pas la mallette de diamant. De toute façon, mon radar se serait affolé, il aurait fait bip bip bip. Oh! Oh le beau zèbre. C'est là où je me rends compte que c'est des okapis. C'est pas pareil. Bah merde alors! La mallette est par là-bas. Sur la carcasse? Mais non, elle a flambé. Elle doit être au-dessus. Ah, oh, ce jeu de cache-cache. Bon, avec des objets, vous me direz, mais... Ah mince, alors. La mallette de diamant qui va me faire tourner en bourrique. Bah. Bah. Attends, c'est quoi ça là-bas? C'est un animal que je vois ou... Oui, c'est un animal. Ah merde alors. Non, ce serait là-bas. Ah, elle serait immergée dans l'eau. C'est valable. La mallette serait immergée dans l'eau. Glou glou. Waouh, il fait sombre ici.
Bah non, je vois rien. Attends, vous êtes sérieux? Non mais c'est pas possible. Là? Sur ce rocher? Oh là 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 là! Mais quelle aventure! Tout ça pour un caillou? Bon, ça c'est mon véhicule. Ah, mais que je suis mauvais! Oh, il y avait deux diamants. Putain, 80 sur 221. Ça m'effraie de me dire que je suis même pas à la moitié, je suis déjà dans la deuxième zone africaine. C'est juste dément. C'est juste dément. Aouh! Mais oh le con! Oh. Alors toi, je t'ai pas vu! Oh le pauvre! Mais il était beau comme tout! Superbement modélisé! Oh là 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 là! Le malheureux, Quick! Quelle idée de m'avoir percuté latéralement là. Un pylône, dis donc. Alors, il y a l'arrivée d'un chemin de fer avec un tunnel. Il y a une piste d'atterrissage pour... il y a une rivière. Il y en a des choses par ici. Wouhou ! Je suis là. Il y a quelqu'un. Bah non, mais non, je vous avez un véhicule, permettez-moi de vous le faire sauter. Oh non, ils m'ont eu les salauds. Merde! Ils m'ont eu les salopios! C'est terrible! Ils ont réussi à m'avoir. Eh oh, toi tu triches. Eh ben. Oh! J'ai encore frôlé la décapitation, moi. Ah non, mon véhicule, il va flamber. Recule, 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 recule. Recule. Hop, 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 hop. Préparation de véhicule. Et puis moi, je vais me soigner derrière, parce que j'ai pris cher aussi. J'ai pris 3 bâtons sur 5 de vie. Des blessures en trop. Dopage. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais courir, pas lancer une grenade. Au moins, j'ai la politesse de m'annoncer. Oui, oui, oui. Ah, pas mal. Ah oui, mais t'as rien, t'as un mec. Ouf. Ah. C'est bon ça. Petite trousse de soins. Ils avaient leur pharmacie. Youpi. Alors, la carte. La carte dit... Oh là là. Oh là là! Eh, je vais abandonner mon véhicule là, c'est pas possible. C'est pas possible. Attends, je peux tourner par là. Waouh! Waouh, 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 waouh! Revendiquer, ça va être balèze.
Bon, je vais tomber sur une patrouille mobile, c'est obligé. Avec une configuration pareille. Ah bah, il y a déjà des navires. Salopard. Merde. Putain, il y en a un qui arrive à me sniper, je sais pas comment il fait. Non mais il va me buter le gars. Oh, cette action trop intense. Et je crois que je vais arrêter là parce que je commence vraiment à avoir faim. En plus, j'ai la vessie qui me pèse. Ah, on fera ça samedi prochain, pardi. On fera ça. Encore que, non, peut-être pas, parce que si petit Seb est là tout le matin, on fera que du Starbound samedi prochain. Je sais pas, je vous placerai je sais pas quand le Far Cry 2. Vendredi 14 juillet qui est férié, on fera du Zelda Scroll que je suis en train de télécharger. Zelda Scroll Online qui m'a été généreusement offert par l'ami Torota. Faudra un jour que je fasse aussi que je fasse mon honneur à vos cadeaux. Je pense à Christella, tu m'as offert le Black Mesa, le Half-Life 1 amélioré. Mais ça je le garderai plus en hiver. Pourquoi? Parce que c'est un jeu qui doit faire chauffer ma carte graphique. Donc comme c'est l'été et qu'il faut ménager nos ordis, je ferai ça dans la mauvaise saison. Et pareil, il y a un jeu que m'a offert aussi Nash. Il m'a offert un simulateur de chasse que j'ai commencé à télécharger mais que j'ai pas fini. Mais c'est adorable. Alors, démocratie totale.